70 dans un Québec en plein changement, où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, de plus assis sur le statu quo. On se garant de téléromans et de talk show les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air. Quand t'es dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Es-tu un petit gratteux, me dit le caissier ou dépanneur? En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Je mets à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon timoron, une chance sur 14 millions. Au stationnement du casino, me va se tirer une balle dans la tête. Ayant tout plombé son magot, elle a fui trop le cœur à la fête. Mais le gouvernement s'en balance, se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un gaucheur. Le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as même plus de chances de gagner à la vie. On a été pendant des années un petit peuple de yes-men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués. Ça jase 3-4 autour d'une belle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marins toxés d'eau. Quand le boss d'une grosse corporation comme son huissier en Gaspésie te demandera pas ton opinion, il va te slaquer sans te dire merci. Un robineux qui est dans la rue au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qu'on pour eux, c'est les revenus, mais non les problèmes de la peste. Pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi l'important c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On en entend beaucoup parler derrière les portes des ministères. Un Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique. Que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérendrye. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Il sert les riches et les mendiants. Dans cette contrée, peuple des ignores, pourquoi qu'on se rappelle de son histoire. Et c'est que juste les plaques de genre, j'ai encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je fais mon drapeau en verre, mais j'enlève tous les bouffons qui nous gouvernent. Et c'est ça que t'appelles une nation.